Allez, moteur, action. On se concentre, on boit un peu d'eau, il n'y a plus d'eau, c'est pas grave. Let's go. Bon alors les annonces. Quand même, j'ai des trucs à vous dire. Bon, j'espère que vous allez bien déjà. Il y a des trucs que vous savez déjà, pour certains d'entre vous, il y a des trucs que d'autres ne savent pas, donc j'en profite pour faire une flopée de trucs pour remettre un petit peu les choses d'équerre pour que vous soyez au courant. La première annonce que je voulais vous faire, c'est que vous êtes bientôt 100 000 followers sur ma chaîne Twitch quand même, vous rendez compte? Combien? C'est trop bien, ça fait super plaisir. D'après les chiffres des syndicats, vous êtes genre 99,7. 100 000 personnes. Non mais voilà, c'est un peu un milestone. C'est le nombre de morts du Covid en France. Pouf, ça fait plaisir, ça fait beaucoup. Ça fait un peu trop. C'est le nombre de personnes qui baissent dans le monde en ce moment. C'est une extrapolation ou il y a des gens qui comptent comment ça se passe? Perso, je sais pas vous, mais moi je baisse pas là. Oui, c'est vrai. T'as vérifié, t'es sûr? Je suis pas en train de baiser. Pour marquer le coup, il y a plusieurs trucs qui vont arriver sur la chaîne. La première chose qui va arriver d'ici un mois et demi, c'est qu'on va faire un gros coup de peinture sur la direction artistique de la chaîne. Alors on va garder la même direction artistique, on va garder les couleurs, etc. Mais on va changer plusieurs choses. On va changer l'étiquette là que vous voyez là. Elle va bouger. On va avoir un nouveau logo. On va probablement avoir un nouveau générique. Il va y avoir un gros coup de peinture. C'est l'occasion. Ça va pas être une révolution. Hein, ça va pas être une nouvelle direction artistique, un nouvel overlay, des nouvelles couleurs et tout. Mais il va y avoir un gros coup de peinture qui va arriver, donc ça c'est cool. Il va y avoir le rename de la chaîne qui va arriver, ça c'est une autre annonce. Le rename de la chaîne devrait arriver au cours du mois de juin. La chaîne s'appellera Jean Massier tout court. Il n'y aura plus la notion d'Acropolis dans la chaîne Jean Massier Acropolis, donc ce sera le point final de la transition entre Acropolis et Jean Massier. Jean Massier tout court, oui voilà c'est ça, Jean Massier tout court tout attaché. Un autre truc qui va arriver à partir de ce mois-ci, on va encore développer la chaîne YouTube, figurez-vous. La chaîne YouTube commence à très bien marcher grâce au travail qui est fait par Pemph, le monteur donc qui s'occupe des best-of. Je sais que les best-of vous plaisent. On avait envie avec Pemph de développer encore un peu plus cette chaîne YouTube. Vous aurez donc deux best-of par mois et non plus un seul. Et c'est pas fini. Et la deuxième chose que vous allez avoir, c'est qu'en plus d'avoir deux best-of par mois, vous allez avoir une vidéo par semaine. En plus des deux best-of par mois. Coucou YouTube, ouais, vous pouvez dire bonjour à YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous évidemment à la chaîne YouTube, déconnez pas, vous connaissez, abonne-toi, mets la cloche, hein, vous la connaissez. Donc il y aura des best-of qui resteront des vidéos un peu sympas à regarder, mais en même temps qui apprennent un peu des trucs et tout. Et en plus de ça, il y aura des vidéos qui seront des remontages de certains moments de certains de mes streams qui permettront de faire un focus sur un sujet que j'aborde, sur un truc d'actualité, sur une explication, sur de la pédagogie, sur des trucs comme ça. Donc voilà. Il y a une nouvelle chose qui va arriver, les amis. Sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube également, c'est que figurez-vous que j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que mon stream est désormais sponsorisé par une marque qui s'appelle Instant Gaming. Hop, voilà. Instant Gaming, donc, qui est un site qui vous donne l'opportunité d'acheter des jeux vidéo moins chers grâce à un lien que je n'ai pas encore, mais qui va arriver bientôt, qui vous permet donc d'acheter des jeux vidéo moins chers, que ce soit sur Steam, sur Uplay, sur machin, sur ce que vous voulez. Vous allez également pouvoir participer chaque mois à un jeu concours où vous allez pouvoir dire un jeu que vous voudriez gagner gratos et il y aura un tirage au sort, vous pourrez gagner un jeu gratos. Alors, c'est plutôt bien fait comme système parce que plutôt de vous dire ce mois-ci, il y a tel jeu à gagner, mais il y a plein de gens que ça intéresse pas tel jeu parce qu'ils n'avaient pas l'intention d'y jouer, c'est vous qui allez pouvoir dire, bah tiens, pour le tirage au sort de ce mois-ci, moi j'aimerais bien gagner celui-là. Et voilà. L'autre truc, il y a un truc que vous savez, pour certains d'entre vous, ceux qui me suivent sur Twitter notamment, c'est que je vais participer à la ZLAN. Elle aura lieu du coup le 4, 5, 6 juin prochain, si je dis pas de conneries. Je participe à la ZLAN avec deux acolytes de grande qualité. Il s'agit d'Hugo Lisoire et de Bauer Parent Live. La ZLAN est une compétition de jeux vidéo multigaming organisée par le streamer Zerator qui a lieu une fois par an. Et je l'avais déjà faite l'année dernière. Cette année, donc, c'est en trio avec du coup Hugo Lisoire et Bauer Parent Live. On va jouer sur 10 jeux différents, je crois qu'il y en a 10. On va commencer à train. On a déjà un petit peu commencé à train. Mais tout ça pour vous dire qu'on va avoir là pendant tout le mois de mai, je vais faire pas mal de streams de jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux que je ne connais pas. Je vous avoue que cette année, quand j'ai vu les jeux annoncés, en fait, il y a un paquet de jeux que je ne connais pas. Et notre but va être d'essayer de faire une mini perf, quoi. Que ça ressemble à quelque chose. Notre team s'appelle Les Improbables, évidemment. Tu mets Hugo Lisoire, Jean Massier et Bauer ensemble, c'est complètement improbable. Hugo Lisoire est un youtubeur et streamer spécialiste de sujet espace. Et il y a Bauer, qui est un artiste, finalement, un artiste complet. Bauer, il est streamer, multigaming, jeux vidéo. Bauer, il sait jouer aux jeux vidéo, tu vois. C'est ça la différence. Avec Hugo et moi, t'es un peu l'adulte responsable et référent, alors que nous on est les deux gosses qui veulent juste jouer avec les copains. J'ai deux dernières annonces. La première, c'est que je suis très content de vous annoncer que je vais avoir un partenariat avec le Parlement européen. On avait déjà été partenaire du Parlement européen par le passé, on avait fait des émissions ensemble à l'occasion des élections européennes et à l'élection de ce qu'on appelle l'audition des commissaires. Non, on avait fait l'audition des commissaires et le discours sur l'état de l'Union. Donc je suis partenaire du Parlement européen cette année à nouveau. J'ai pas encore de date d'événement à vous annoncer, ça pourra venir très prochainement. Et donc je vais pouvoir vous faire des lives spéciaux sur l'actualité européenne et plus spécifiquement
spécifiquement sur l'actualité institutionnelle du Parlement européen. Le partenariat avec le Parlement européen me permet de vous donner accès à des parlementaires européens, donc des députés européens, des membres de la délégation française au Parlement européen vont pouvoir venir sur ma chaîne répondre à mes questions, répondre à vos questions, et je suis donc très content de vous permettre d'avoir un petit peu accès à ça. Dernière annonce, ça fait plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, qu'on avait envie de faire ça avec la communauté Acropolis. Je vous rappelle que Acropolis, c'est le nom de la communauté qui a été créée autour de cette chaîne. Ça fait plusieurs années qu'on parle de politique sur Twitch, ça fait plusieurs années que du coup il y a des gens qui sont dans le chat, des gens qui participent au live, des gens qui sont là, etc. et qui ont eu envie de continuer les discussions, de continuer à réfléchir ensemble et tout. On a organisé des événements, on appelait ça les Apéropolis, on a bu des coups, on a fait des visites de l'Assemblée nationale, on a lancé un serveur Minecraft et tout. Donc la communauté Acropolis existe toujours. Elle s'organise autour d'un serveur Discord que je vous invite toujours à rejoindre. C'est un serveur Discord extrêmement cool. Et cette communauté Acropolis, donc c'est moi qui l'ai créée, mais elle s'organise autour d'une association avec des bénévoles qui s'appelle l'association Acrolab. Et cette assoce s'occupe d'organiser la vie de la communauté, la vie de l'association. Il se passe plein de trucs. Et il y a un truc qu'on voulait faire avec l'assoce depuis pas mal de temps, c'est essayer de se poser deux minutes et de vous faire un questionnaire, en fait, de faire une enquête sur vous, en fait, sur les viewers de la chaîne, sur les membres de la communauté ou pas membres de la communauté Acropolis, en fait, peu importe. En fait, j'ai envie de vous connaître. C'est ça ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de mieux vous connaître, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, comment ça se passe. On a créé une enquête qui est un Google Form, tout ce qui est plus classique, qui s'appelle la grande enquête, dans lequel vous allez avoir plusieurs questions à répondre. Alors, je vous le montre, c'est pas si grand que ça, hein, vous voyez. En vrai, je pense qu'en 10 minutes, c'est réglé. Et j'aimerais vraiment que vous soyez le plus nombreuses et nombreux possible à remplir cette enquête, à répondre aux questions. Ça va nous permettre de mieux vous connaître. Je ferai un live de restitution des résultats, évidemment, on va en parler avec vous. Voilà. Ce questionnaire a été préparé avec amour par Julie et Amy, qui ont travaillé toutes les deux comme des folles. Donc voilà, donc ce questionnaire va être en ligne pendant 3 semaines, 1 mois, un truc comme ça. Je vous le rappellerai en live, on va en parler sur Twitter, on va en parler sur le Discord. On va peut-être en parler sur YouTube. Hey, si tu regardes cette vidéo YouTube, va dans la description de la vidéo, tu trouveras le lien du questionnaire et ça me ferait super plaisir que tu prennes 10 minutes de ton temps pour le remplir. Vraiment, et abonne-toi. Alors, petit récap du coup des annonces que je voulais vous faire aujourd'hui. La première annonce, la plus importante pour moi, c'est que vous êtes bientôt 100 000 followers sur ma chaîne Twitch. Ça fait super plaisir. Il va y avoir un petit rework de la direction artistique de la chaîne, plusieurs éléments qui vont évoluer. L'autre chose qui va arriver, c'est un sponsor, Instant Gaming. La chaîne Twitch va être rename et s'appeler définitivement Jean Massier tout court. Il n'y aura plus la notion d'Acropolis à partir normalement du mois de juin. La chaîne YouTube va évoluer. Vous allez avoir une vidéo par semaine, plus 2 best-of par mois. Je participe à la ZLAN les 4, 5 et 6 juin prochains à Lyon. J'y serai avec mes deux coéquipiers qui sont Hugo Lisoire, le youtubeur, et Bauer, parent live, qui est un streamer. Autre annonce que je voulais vous faire aussi, un partenariat avec le Parlement européen qui va reprendre. On avait déjà fait par le passé des streams en partenariat avec le Parlement européen. Ça va reprendre. La dernière annonce que je voulais vous faire, c'est une grande enquête sur vous qu'on veut lancer avec la communauté Acropolis, la communauté des bénévoles de l'association Acrolab. On veut essayer de mieux vous connaître, savoir qui vous êtes. Ça prend pas plus de 10 minutes et ça me ferait super plaisir si vous pouviez y répondre. Vous trouverez le lien dans la description. Voilà, ça c'est pour les annonces.